Опускаем стекла. Принято. Я 16 третий. Наддув. Нормально, Жан? Да-да, нормально. Нормально. Пуск. С ракет. Пуск. Тангаж, рыскание, вращение в норме. Вот перегрузка начинает заметно. Так. Принято, наблюдали. Спасибо. 380 секунд. Давление в камерах устойчиво. Полет нормальный. Отлично вас слышим, как будто за стенкой. Памир, ОТР выдали. ОТР выдали после мех соединения. Хорошо, все нормально. Дальше работаем штатно. Просим вас только одну информацию. Время возникновения А и далее стоит момент. Работаем дальше штатно. Просим вас только одну информацию. Время возникновения А и далее стоит момент. Очередь. Добрый. Да, Тим, он сам готовится до конца. Здравствуй. Космонавты следователь Жан-Люк Кретьен. Будь тебе вода, Жан. А это хлеб. Проходи, Жан. Александр Иванченко. Jean-Luc Chrétien, vous nous entendez? Très bien.
Voilà, vous êtes en ce moment en direct donc sur les antennes de TF1. Tous nos amis vous regardent et vous avez commencé à nous faire visiter votre datcha de l'espace. Alors j'aimerais que en direct, voilà, on vous voit, faites-nous un petit signe. Voilà. Une grosse bise à tous et en particulier à ma famille, bien évidemment. Voilà, alors faites-nous visiter en 3 minutes, le temps de la fin de notre journal, votre domaine. Oui, voilà, Lani Bekov qui passe devant moi, il va essayer de vous montrer ce qui se trouve là au fond. C'est notre vaisseau spatial qui est accolé à la station. La station commence ici. Hein, c'est la porte par laquelle on est entré le premier jour. D'accord. Et là, Valodia Zanibekov se trouve actuellement dans notre vaisseau spatial. C'est à partir d'ici qu'on se décollera vendredi. Vous voyez, tout le fond que vous voyez là-bas, c'est l'ensemble de notre vaisseau. Et les tuyaux que l'on voit, c'est pour la ventilation. Voilà, exactement. Vous savez que dans l'espace, on est obligé de faire une ventilation forcée. Voilà, il vous montre un scaphandre. Vous voyez, là. On peut s'amuser avec les scaphandres. Bon, je pense qu'on va repartir dans le sens. Alors allez-y, on vous suit. Bon, on y va. On repasse donc par le compartiment toilette. Ça, il y a des sièges. Voilà, on vous montre les toilettes. Vous voyez, voilà. Le petit siège. Et puis à droite et à gauche, vous avez des glaces. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire une petite toilette matinale. Bien, on continue. On arrive donc dans notre chambre. Valentin et Médias remontent. Et là, vous allez voir donc les sacs de couchage. Mais si je comprends bien, vous dormez parfois au plafond, Jean-Luc Chrétien. Voilà, je pense. Si moi je ne l'atteins pas qu'à sur. Oui, il va vous montrer donc, c'est ici que se trouvent tous les sacs de couchage. Et ce qu'il vous montre actuellement, donc c'est le mien, c'est celui qui est le mieux, je vais vous faire. Je vais faire une démonstration. Voilà. Et alors c'est quoi? Et vous n'avez pas un peu le, disons, je voudrais dire, le vertige de dormir au plafond? Absolument pas, je dors très très bien. En général, je me retourne, je me mets comme ça, oui. Mais voilà. Vous... Là, je dors très très bien. Dans le sens, j'ai un peu l'impression de voir le plancher par dessus, ça fait un peu chauve-souris, c'est pas toujours très agréable. Bon, et là, donc les autres sacs de couchage du commandant de bord, de son équipier. Voilà, les photos de sa famille, vous voyez qu'il ne... Personne n'oublie sa famille dans l'espace et on a tous nos petits souvenirs. Bon, on va continuer la visite. On passe à côté de l'échographe, donc une des expériences principales de la mission. Vous voyez que ça flotte beaucoup, hein, les fils flottent dans tous les sens. C'est un des problèmes de ce genre de liaison qui est de toute façon un des problèmes de l'espace. On perd tout. Alors, je m'éloigne un petit peu de la caméra. Voilà, très rapidement, car nous allons avoir, après une interruption d'image, vous allez sortir du domaine des antennes, Jean-Luc Chrétien. Bon, alors très rapidement, on se trouve actuellement dans la zone de travail. Vous avez ici un vélo ergonomètre. Ça arrive, on va faire la démonstration. Comme vous venez rapidement. Voilà, vous voyez qu'on peut faire du vélo dans l'espace. Bravo, bravo à tous. Посмотрим, как закрывать, ребята. А потом сделаем.
минут до 15 часов 23 минут. Бомбиры, пока крюки работают на открытие, мы можем успеть провести сверху циклограмму. Il a plié le genou, il est en sueur. Le voilà pendant que... Oui, là, formidable. Le retour, c'est plus impressionnant que le départ. Hein. Quand même toute une succession de... En pleine forme, en pleine forme. Absolument. Là, on a un peu transpiré quand même. On est un peu, fatigué. Imagine. Pas de problème de circulation, les jambes molles, la culotte qui tombe. Non, comme si on venait de faire un bon marathon là, à peu près. Il boit le champagne. C'est vrai, c'était plus facile en apesanteur. Ça va bien. 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 Ça va. Oui, bah ça, je répète, surtout les enfants, mais c'est pensé à eux. Je veux dire, quand vous étiez en Afrique, vous étiez déjà en Afrique. 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 Vous étiez déjà en Afrique.